Eumor, hoyo, qu'est-ce qu'il a dit? Que le bœuf était bon. Attends, je comprends pas là. On est en train de parler de la prof et lui il dit que le bœuf était bon. Peut-être qu'en Hongrie, traiter quelqu'un de bœuf, c'est lui donner un petit nom mignon. J'en sais rien, moi. Franchement, je crois pas, non. En tout cas, cette prof est géniale. Et je trouve pas ça sympa qu'il la traite de bœuf. Tu pourras bien lui dire. Nemmocha, disnoyo. Mivan, qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'il fasse cette tête-là? Quel? C'est pas un bœuf. C'est une bonne cochonne. C'est pas possible. Il y en a vraiment pas un pour rattraper l'autre. Hello, hello, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je ne vais pas vous laisser comme ça sur cette petite vidéo parce qu'il vous faut une petite explication, je pense. Alors, l'expression « marhoyo » en hongrois, c'est comme en français « vachement bien ». Donc, c'est quelque chose de vachement bien. « Marha » qui est le bœuf, donc « vachement »,« marharo »,« yo », »,« bien ».« Wa, marharoyo, marhoyo », c'est « vachement bien ». Donc, vous voyez, notre expression en français « vachement » a un équivalent en hongrois ou presque. C'est vachement bien, marhoyo, ou bien marharoyo. Et yo qui veut dire bien ou bon. Et pour la petite histoire, dans la vidéo, disnoyo, ça ne veut rien dire. Cochon bon, ça ne veut rien dire. C'est juste parce que j'ai un copain qui a une femme qui est hongroise et il trouve ça bizarre qu'on dise marhoyo, mais lui, il parle pas français. Et donc, il connaît pas l'expression « vachement bien ». Et donc, il dit « mais pourquoi on dit pas « disnoyo » ?» Et donc, ça m'a trop fait rire, c'est pour ça que j'en ai fait une vidéo. Mais « disnoyo », en gros, ça n'existe pas. Donc, vous prenez pas la tête avec ça. J'espère que cette petite leçon vous aura plu et à très bientôt pour un nouveau cours d'hongrois. Ciao, bye bye !